Quel est donc ce pays où l'on ne peut plus rien dire? Le pouvoir appartient à tous ces gentils bien-pensants qui se disent, se proclament bien sûr indépendants, mais n'ayant qu'un objectif, nous tromper, nous mentir. Ils sont évidemment pour le vivre ensemble, en évitant toutefois de le vivre, ce me semble. Les infos dérangeantes, fausses ou vraies, sont assurément scandaleuses, influençant sans vergogne cette France silencieuse. Épris de liberté, tu condamnes les fausses nouvelles. Pour mieux nous censurer, abject bien pensant, vil et cruel. Tout ce qui n'est pas de toi, forcément inquiète et terrorise. Compétence des autres, toi au moins, tu possèdes la maîtrise de la gestion, de l'information. Bref, tu gouvernes comme on espère. Système politique, économique, non, secte toxique et délétère. Épris de liberté, seul n'existe que ta pensée unique. Édulcorant de démocratie, mais surtout dictature du fric diabolique.